Bonjour, je me nomme Bijou, parce que tout le monde m'appelle comme ça, Bijou Camara. Je suis danseuse, chanteuse aussi, je tresse aussi, je coiffe. Je viens de la Guinée-Conakry, j'ai 3 enfants. Mais en Guinée-Conakry, j'ai dansé là-bas, j'étais chez ma famille. En tout cas, tout le monde sait, si tu es chez ta famille, tu es content, même s'il n'y a rien, mais tu es libre de faire certaines choses, ce que tu peux faire parce que vous se comprennent. Donc, par rapport les financiers aussi, ce n'était pas facile du tout parce qu'il faut que tu fasses quelque chose pour avoir de financer pour toi ce que tu veux. Il faut faire quelques travail pour gagner de l'argent, de faire de. En tout cas, c'était comme ça. Mais là-bas, mais comme c'est chez moi, je pense que ça va. Après, je suis venu en Tchèque République. J'ai 3 enfants là-bas. J'ai vécu là-bas 11 ans. Je dansais aussi là-bas. Je suis mariée. J'ai tressé aussi, mais pas comme ça. Là-bas aussi, c'était bien parce que si tu viens d'arriver, à cause de la langue, des fois, tu n'arrives pas à avoir du courage. Mais en tant que tu t'habitues, tu commences à être vraiment, te sentir un peu bien. Mais toujours, là-bas, ce n'était pas facile aussi, par exemple, pour le travail. Parce que si tu ne parles pas la langue, tu ne peux pas avoir le travail. Tu ne peux pas. Donc, c'est ça aussi qui était difficile. Et aussi, pour aller apprendre la langue aussi, ce n'était pas facile aussi parce que j'avais le bébé. Donc, j'ai fait 11 ans là-bas. Après, j'ai décidé de voyager pour venir en Allemagne. Donc, je suis venue ici avec ma famille, mes 3 enfants. Et mon mari a commencé de travailler. Donc, c'était pas facile de gagner même la maison. On marchait dans les hôtels. Mon mari payait les hôtels comme ça. Donc, j'ai fait 4 ans avec ça. Oui, j'ai fait 4 ans avec ça. Je ne savais même pas comment dire bonjour. Donc, je me sentais vraiment comme je ne suis pas, je n'étais pas à l'aise. Donc, Dieu m'a aidé, je suis venu, on m'a montré quelque part. Là-bas, je me sentais bien comme ma maison parce que on parlait le français, les gens sont ensemble. Je voyais vraiment, c'était bien pour moi. C'est ça qui était bien pour moi. Et puis aussi, c'était pas facile. À l'école, avec mes enfants, vraiment, les enfants venaient, ils étaient tristes. Même quelque chose a été fait ici à mon fils. Ça m'a fait mal, mais c'est difficile. C'est difficile, c'est difficile. C'est difficile. Vraiment, avec les étrangers, tout le monde sait que si tu es chez toi, tu es chez toi. Mais si tu voyages, c'est pas facile. Il faut que il faut avoir le courage. Sinon, tu n'arriveras pas. Non, non, non. Donc, à cause des choses, des agressions comme ça, tout ça là, dans les bureaux, on ne te comprend même pas. Donc, si tu vas dans les bureaux, ils te parlent et ils veulent que tu parles comme vraiment, comme les gens parlent ici. Mais si tu ne comprends pas la langue, c'est pas facile qu'on t'aide si tu n'es pas parti avec quelqu'un là-bas. Donc, ce n'était pas facile du tout. Dans les bureaux, c'est difficile. C'est très, très difficile. Dans les bureaux, c'est difficile. Donc, c'est ça aussi qui m'a beaucoup
enlever du courage. Bon, c'était ça quoi. Franchement, c'était pas facile du tout. À Burkina Faso, je suis venue, j'ai eu du courage de continuer avec la musique, avec mes danses, avec j'ai même commencé de faire les habits. C'est là-bas que j'ai eu vraiment du courage de faire la répétition. C'est là-bas qui m'a donné du courage pour même faire mes CD de la musique. Donc, c'était ça la différence. C'était ça la différence entre les trois, les expériences entre les trois pays, quoi. Chez moi, tout allait bien, mais financièrement, il y a des choses qui sont différentes avec l'Europe aussi. Donc, en Tchèque République, ce n'était pas du tout facile. Donc, à cause du travail, à cause aussi, comme je dis toujours, la langue aussi, donc ce n'était pas facile. Ici aussi, les bureaux, à cause de la langue aussi, la manière dont les gens te regardent, la manière dont les gens te parlent, la manière dont les gens te... Vraiment, des fois, ça ne te donne pas du courage pour rester sur la place. Mais la vie, c'est comme ça. Il faut toujours avoir du cœur. Toujours, toujours. Merci.